Ce sens du destin, essentiel à la tragédie, est présent aussi dans Électre. Électre, c'est la reprise, cette fois, du mythe d'Oreste. Agamemnon, le chef des Grecs qui sont allés conquérir Troie, revient chez lui et il est assassiné par sa femme Clytemnestre et par l'amant de celle-ci, Égiste. Il a laissé un fils, Oreste, qui a été élevé loin de sa patrie, et une fille, Électre, qui attend le retour de son frère, d'Oreste, pour venger son père. Et la pièce débute au moment où Oreste arrive, incognito, dans sa ville, le jour où, justement, Clytemnestre et Égiste, qui veulent se débarrasser d'Électre, s'apprêtent à la marier et la donnent en mariage au jardinier du palais. Écoutez. Jean Giraudoux, Électre, acte 1, scène 20. L'étranger, les petites filles, les Euménides, le jardinier, les villageois. Première petite fille, ce qu'il est beau, le jardinier. Deuxième petite fille, tu penses, c'est le jour de son mariage. Troisième petite fille, le voilà, monsieur, votre palais d'Agamemnon. L'étranger. Curieuse façade. Elle est d'aplomb. Première petite fille. Non, le côté droit n'existe pas. On croit le voir, mais c'est un mirage. C'est comme le jardinier qui vient là, qui veut vous parler. Il ne vient pas. Il ne va pas vouloir dire un mot. Deuxième petite fille. Ou il va braire, ou miauler. Le jardinier. La façade est bien d'aplomb, étranger. N'écoutez pas ces menteuses. Ce qui vous trompe, c'est que le corps de droite est construit en pierre gauloise qui suinte à certaines époques de l'année. Les habitants disent alors que le palais pleure et que le corps de gauche est en marbre d'Argos, lequel, sans qu'on ait jamais su pourquoi, s'ensoleille soudain, même la nuit. On dit alors que le palais rit. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le palais rit et pleure à la fois. Première petite fille. Comme cela, il est sûr de ne pas se tromper. Deuxième petite fille. C'est tout à fait un palais de veuve. Première petite fille. Ou de souvenirs d'enfance. L'étranger. Je ne me rappelais pas une façade aussi sensible. Le jardinier. Vous avez déjà visité le palais? Première petite fille. Tout enfant. Deuxième petite fille. Il y a 20 ans. Troisième petite fille, il ne marchait pas encore. Le jardinier. On s'en souvient pourtant quand on l'a vu. L'étranger. Tout ce que je me rappelle du palais d'Agamemnon, c'est une mosaïque. On me posait dans un losange de tigre quand j'étais méchant et dans un hexagone de fleurs quand j'étais sage. Et je me rappelle le chemin qui me menait rampant de l'un à l'autre. On passait par des oiseaux. Première petite fille. Et par un capricorne. L'étranger. Comment sais-tu cela, petite? Le jardinier. Votre famille habitait Argos? L'étranger. Et je me rappelle aussi beaucoup de pieds nus. Aucun visage. Les visages étaient hauts dans le ciel, mais des pieds nus. J'essayais, entre les franges, de toucher leurs anneaux d'or. Certaines chevilles étaient unies par des chaînes. C'étaient les chevilles d'esclaves. Je me rappelle surtout deux petits pieds tout blancs, les plus nus, les plus blancs. Leur pas était toujours égal, sage, mesuré par une chaîne invisible. J'imagine que c'était ceux d'Électre. J'ai dû les embrasser, n'est-ce pas? Un nourrisson embrasse tout ce qu'il touche. Deuxième petite fille. En tout cas, c'est le seul baiser qu'ait reçu Électre. Le jardinier. Pour cela, sûrement. Première petite fille. Tu es jaloux, hein, jardinier? L'étranger. Elle habite toujours le palais, Électre? Deuxième petite fille. Toujours, pas pour longtemps. L'étranger. C'est sa fenêtre, la fenêtre au jasmin? Le jardinier. Non!
C'est celle de la chambre où Atrée, le premier roi d'Argos, tua les fils de son frère. Celle avec les roses. Étranger, ne cherchez aucune relation entre les fenêtres et les fleurs. Je suis le jardinier du palais, je les fleuris bien au hasard, ce sont toujours des fleurs. Deuxième petite fille. Pas du tout, il y a fleurs et fleurs, le phlox va bien mal sur Thieste. Troisième petite fille. Et le réséda sur Cassandre. Le jardinier. Vont-elles se taire ? La fenêtre avec les roses, étranger, est celle de la piscine où notre roi Agamemnon, le père d'Électre, glissa, revenant de la guerre, et se tua, tombant sur son épée. Première petite fille. Il prit son bain après sa mort, à 2 minutes près, voilà la différence. Le jardinier. La voilà, la fenêtre d'Électre. L'étranger. Pourquoi si haut ? Presque au comble. Le jardinier. Parce que de cet étage, on voit le tombeau de son père. Pourquoi dans ce retrait ? Parce que c'est l'ancienne chambre du petit Oreste, son frère, que sa mère envoya hors du pays quand il avait 2 ans et dont on n'a plus de nouvelles. Écoutez, écoutez, mes sœurs, on parle du petit Oreste. Voulez-vous partir ? Allez-vous nous laisser ? On dirait des mouches. Nous ne partirons pas. Nous sommes avec l'étranger.